koy gis kay nek ni mom soretul ouais danaka mo gi pompier legui mu wara yegg ci RTS rond point Malick Sibi fi jëm fi nga xamne ni modi palais comme ni nga wax fofu nga xamne ni lepp yemb na ngir rek dalal ko fofé ki nga xamne ni ki mu nara wutu fofu di président Macky Sall nal ko dalal fofé. Gis nga mama bo gisé dispositif bi and ak mom nga xamné comme tay ni ngi koy waxé c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal donc avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République du Sénégal. Il va maintenant dans, on va dire, sont désormais nouveau, nouvelle maison, le palais de la République. Pourquoi vous baissez les dons? Bon, mesdames, ça, qu'est-ce que nous avons escorté en haut, nous balayons. Autobus a changé. Wow. Ça a contourné 4C. Nous avons eu une grande mosquée de Dakar. Mais il y a des symboles aussi, les rambos. Parce que nous avons fait les RTS, c'est une institution qui est très importante. La fille, il y a une tour. Si vous rombez la tour, il y a une grande mosquée. Mais il y a aussi le secteur informel qui est d'Octrop. Il y a aussi des postes, il y a un COSEC, COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, c'est aussi Sirius Amsol dans le Réumi. Mais ni tamit doxon tout le bo xamni dafa bëgg ñonté ak wa Dakar parce que amna ñu doon démé day rombu comme toujours en vitesse dem wala amna ñu doon démé aussi mu nekk ci waxtu wo xamni aussi day nekk lenen mais waxtu wi nekk na waxtu liggéey té tay ji itam donté ñi ngi tek président de la république bu bess waye tamu ñu nit ñi liggéey pour xol rek né la vie continue ci Sénégal nak wax dëgg yalla réew la bo xamni dafa rafet ñi ngi tek président mais nit ñi xey nañ dem liggéey. Il y a des gens qui ont fait des choses qui ont été faites. Mais nous avons fait le président. Parce que la popularité, voilà, il faut que nous soyons sortis. Ça, c'est beau quand même. Le président, il est sorti de sa voiture pour communier avec la population sénégalaise, sorti aujourd'hui, l'accueillir en tant qu'officiellement président de la République du Sénégal. Ça, c'est de très belles images à voir, très belles images également pour la postérité. Maman, président de la République, Bassirou Diomaye Faye, génne autom ngir nak sargal ñi nga xamni ñoo nek digënté pompier ak COSEC ak fi nga xamni modi RTS mbolom yépp ñew nañu génn ci nak xamna ni loolu nak demande sociale la ñom ñoko laaj ñom ñoo té auto bi pour mën ko sargal té xamna ni lañ ko fassé né gungé pour jëm ak mom nak palais présidentiel. Très bien, donc on l'a vu hein, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui était obligé de s'arrêter parce que la population sénégalaise est sorti en masse, l'accompagner au palais de la République où l'attend, on va dire maintenant, son prédécesseur, le président Macky Sall. Donc, de très belles images, on l'a vu, hein, Oum Kalsoum Sall, aujourd'hui. Une journée historique. Historique, hein, surtout son discours aujourd'hui devant la nation. Très bien. Il l'a dit, il mesure le poids de la responsabilité. J'ai retenu quelques aspects de son discours. Très bien. Au moins, on y reviendra. Nous allons prendre la direction du Palais de la République où nous attend cher Mohamedou Bamba Gueye. Cher Bamba, rebonjour. Hein. D'un moment à l'autre, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va arriver au Palais de la République où vous l'attendez, mais également le président Macky Sall. Voilà, merci beaucoup Mariama Dramé. Le président élu est en route et là nous sommes hall du Palais de la République avec le chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall qui est déjà là, avec ses collaborateurs, le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Martar Cissé, le président du groupe parlementaire Beno Bokou Yakar Abdou Mbow, l'honorable député, le ministre des Forces armées, Maître Omar Youm, son directeur de cabinet également qui est là, Ismaël Major Fall, le directeur général de la RTS, M. Racine Talla, qui est là, Omar Sambaba, ministre conseil diplomatique, ministre secrétaire général de la présidence de la République, est là. Et là, on voit Mohamedou Martar Cissé. Il y a également le ministre conseil diplomatique Omar Dembaba, qui est également là. Le général Maïssa Selenyaï, aide-de-camp du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Alors, ce sont des images solennelles. Le chef de l'État qui attend le président nouvellement élu avec le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Martar Cissé. Tous les collaborateurs du chef de l'État sont là ce matin. Le président de l'Assemblée nationale est également là. M. Amadou Mam Diop, les présidents d'institutions sont également ici présents ce matin pour partager ces moments solennels avec le
chef de l'État. Ils sont tous ici. L'IG, l'inspection générale d'État de la présidence de la République, le général François Collin, ils sont tous là. Le cabinet présidentiel également est déjà là. Le détachement de la garde présidentielle, vous le voyez, le général Maïssé Sélé Ndiaye à l'instant. Qui discute avec le député Abdoumbaou et le directeur général de la RTS. Vous voyez le détachement de la garde présidentielle juste après le franchissement du président élu sur le tapis rouge. Vous verrez les honneurs militaires qui lui seront rendus et le chef de l'État qui a donné les dernières orientations au ministre de l'Intérieur également. Ils attendent tranquillement l'arrivée du président nouvellement élu. Voilà, Khali. Waaw Cheikh Bamba gis nañ ko ni melni nak ñi doon wa garde rouge rangi jup nañ xoc wax deug yalla li nga xamne itam mo doon bisu fête di tarixu rewum Senegal njiti rewmi di président Macky Sall di xaar ki nga xamne mo koy woot nak tay ji ci njiti rewmi mom le conseil constitutionnel wax bañ ko ko jébalé itam li nga xamne ni mo doon raay rewmi mom nak mu ñew nak mu and ak mom fi ci palais bi ngir taggo bi nak njiti rewmi nak di taggo ak ñoom di nuyonté ak ñoom di safonté ak ñoom ni ñu ko waxé nak tay ji palais bi day sol yéré yu yes nak am kilifa gu bes am itam li nga xamne ni mo don li Senegal wax ne kat tay ji Senegal day am juroomelu njitu rew ci suñu rew kon nak lolu don lo xamne ni lu rafet la don lo xamne ni itam lu mandar gawul la ci tarikh don lo xamne itam lu tarikh dotul fatte la niñ ko gisee itam cortège bi nga xamne mo don cortège président de la république di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye itam ñi ngi ni ki nak moy président conseil constitutionnel di am ak président bi nga xamne itam mo don président assemblée nationale ñom ñoo tok nonu don waxtan conseil constitutionnel itam niñ ko don waxe li nga xamne ni mo don latu ñuy yexi ci wote bi amna lo xamne ni itam rewmi dundon nako ak itam taxaway bo xamne itam ñom taxaway buñ ci taxaw la bu suñu borom itam dogal li nga xamne ni mom la dogal tay ji ci kilifte fu rewmi kon président assemblée nationale moy gisé non ak président conseil constitutionnel li nak cortège ba ngi nonu mbolo ma ngi nonu tay ji nak ndaysan motali kan lañu dar moy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lolou modi am rew lolou modi jeu démocratique lolou moy le fair play bi nga xamné ni mom mo and ak woté ndax woté ni sport amé arbitre am noné la itam woté doon lo xamné itam c'est un jeu démocratique la démocratie dem nañ sanni xop bañu démé ba ci ciapando ju né ki le mom lañu sénégal yi wax né kat ci diru juromi at yi nga xamné mo suñu kanam yalla ñu ci yalla yobok jamm mom lañuy denk kilifté fi rewmi kon nak tay ji mom moy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom lañu gis nonu ak cortège bi ñu dar ko diko sargal fofé itam ñu jégué nonu ci sikat gis nga kaddu yi nga xamné itam yëkëti nako néna li nga xamné mom lañu ma denk dina ko fassiyéné doxal ci ngeen gi doxalin ci nit ñi nga xamné itam nonu lañ ma wajalé ci xam xam ci xamé ci téguin ak ci deggu ak ci mandu fexé itam ba li nga xamné ni mo doon ay jikko yo xamné ni am réew mënu tay jëm ci kanam té melawuñu nonu té itam moñaluñ ko lolé ak moñaluñ ko itam lolé itam taxaway yoy né lolol mo mën ta ñak fa la budé itam fokk ñu doxalé ko nonu Cheikh Bamba Gueye voilà. Merci beaucoup Khali Seck et ils sont toujours là les collaborateurs du président Macky Sall le premier ministre maître Sidiki Kaba est aussi ici Khali le disait tout à l'heure le président du conseil constitutionnel Mohamed Badiou Camara est également là on le voit la foule qui accompagne le véhicule présidentiel avec le cortège, le détachement motorisé de la présidence de la République avec le cortège présidentiel motorisé, l'escorte présidentielle motorisée du président de la République. Ce sont toujours les collaborateurs, les conseils du chef de l'État que vous apercevez. Ils sont déjà sur pied depuis quelques minutes en train d'attendre l'arrivée du président, son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La garde rouge, le détachement de la garde présidentielle qui sera commandé ce matin par le lieutenant John Michel Ndiaye qui va rendre les honneurs militaires au président élu. Et juste après son entrée, vous allez entendre après l'hymne national et tout ça, il va dire « Son Excellence, les honneurs militaires vous sont rendus par un détachement de la garde présidentielle commandé par moi-même. Excellence, mes devoirs. » Donc, vous entendrez souvent cela. Et l'arrivée des chefs de l'État également, vous entendrez ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous sont rendus par un détachement de la garde présidentielle commandé par le lieutenant John Michel Ndiaye. Mes devoirs, Excellence. Voilà. En tout cas, vous allez vous y habituer ce matin avec ce balai des chefs d'État. Ils sont nombreux. Beaucoup de chefs d'État sont venus aujourd'hui. L'honorable député Farbangom, que l'on voit également
Un proche collaborateur du président Macky Sall, le directeur général, M. Racine Talla, est également là. Donc, l'escorte, le cortège présidentiel n'est plus loin, en tout cas sur la corniche, n'est plus loin du boulevard de la République ou bien de l'avenue Léopold Sédar Senghor. Donc, et juste dans quelques minutes, vous allez voir son arrivée. L'honorable député Farban Rome qui discute avec le directeur général de la RTS, Racine Talla. De très belles images de ce matin. On l'a vu, le Sénégal, c'est un pays démocratique. Il l'a démontré plus d'une fois. Ça, c'est beaucoup d'alternance. Il y a eu la première fois que dans l'histoire politique du Sénégal qu'un parti d'opposition arrive au pouvoir dès le premier tour. Et ça également, c'est à noter, et ça montre que les Sénégalais, dans leur grande majorité, avaient une seule envie, alors de changer dans les règles de l'art. Ça s'est fait sans anicroche, ça s'est fait également de la façon la plus transparente et la plus également de ce qui soit. J'entends en fond sonore alors ces ovats et ces cris hystériques qui montrent combien les populations sont contentes de vivre aujourd'hui, ce jour-là. Quand le motard qui servait de flèche s'immobilise, moi, je suis quand je suis en train de faire des Inch'Allah, je suis en train de faire des choses. Vous l'avez parfaitement dit, on a vu tout à l'heure, je le disais, le secrétaire général de la présidence de la République qui est arrivé avec une pile de dossiers Khali, également le secrétaire général du gouvernement, Seydou Gueye, qui est arrivé lui également avec une pile de dossiers pour préparer la passation de pouvoir entre les deux excellences, son excellence Macky Sall et son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va transmettre, donc le président Macky Sall qui va lui transmettre les rênes du pouvoir. On est dans quelques instants. En tout cas, vous allez voir l'entrée en fonction du président, du nouveau locataire du Palais de la République. Là, nous sommes à la place Washington. Vous savez, entre la place Washington, qui est juste en face du ministère de l'Intérieur, et le Palais de la République, c'est juste quelques mètres. Donc, il n'est plus loin des cris du Palais de la République. Le chef d'État est là avec son ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Diop, est également là. Le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, est en train d'attendre le président élu en compagnie du directeur général de la RTS, M. Racine Talla, qui est également là. L'Assemblée nationale, les présidents d'institutions, ils sont tous là ce matin. L'honorable député Farban Gom également. Tout le monde est là pour dire merci au président Macky Sall pour l'œuvre immense qu'il a bâtie à la tête du Sénégal. Vous savez, ces 12 années ont été 12 années de prospection et de prospérité. Coups de canon qu'on entend, non? Et ce sont les coups de canon que l'on entend actuellement. Apparemment, ce sont 21 coups de canon. Ah oui, c'est le cérémonial. Hein, et voilà, c'est solennel. Et ça, c'est le rituel de la République qui marque les fastes de la République. Vous savez, Khali, la République a ses fastes, a ses rituels. Et l'investiture d'un chef d'État, c'est tout un rituel. C'est beaucoup de fastes. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une fête également. Comme l'élection a été une fête, ce jour d'investiture, d'intronisation est une fête du nouveau président. Mais également une fête. Également, les Sénégalais, c'est l'occasion également pour les Sénégalais de dire merci au président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Aujourd'hui, il part avec le sentiment du devoir accompli. Beaucoup de réalisations ont été faites au niveau du Sénégal, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan universitaire, avec ses nombreuses universités. Aujourd'hui, voilà, le cortège présidentiel est là, à quelques mètres des grilles du Palais de la République. Khali Seck, je vous laisse commenter. Juste le temps de reprendre l'entrée en fonction du président. C'est des moments extrêmement importants dans la vie d'une nation.
askan wi ci bopam ñoy yor sen sañ sañ ñoy jébbal itam sen sañ ñoy jébbal itam la nga xamné ni mom mo doon danaka cër ba ñi joxé tay ji nak ñi té rewmi di président Macky Sall rewmi jébbal nañ ko cër mu doxal ko ba rewmi ne ko jaajeuf nak tay ji ñu denk ko nak ki nga xamné won président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga ko tay ji danaka ñey war gawari ak ñi nga xamni itam ñoy war mobiler ak wota yépp ak ñi nga xamni ñëpp itam war dar nañ ko ngir xamal ko nak ne ko nak mbir mi nak tay ji bes niki tay tolok ñaari fan ci wéru avril wi ñu nek ni moy bes bi nga xamni nak ya tuddu président de la République du Sénégal parce que cavalerie xali alors moy gawar gi moy gawar gi di mandal ga rek la solennité de cette manifestation la solennité raison pour laquelle le conseil constitutionnel s'est déplacé aujourd'hui alors au niveau du centre international de conférence Abdou Diouf pour présider la cérémonie d'investiture c'est une cérémonie qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal et ailleurs et c'est presque le même cérémonial empreint de solennité et des moments extrêmement forts ça c'est un détachement également de la garde présidentielle ces gardes rouges avec cette escorte cavalière de la présidence de la République. Alors ces chevaux que vous voyez, ce sont des chevaux qui sont très bien entretenus et qui sont entretenus et qui se trouvent au le camp Sambadjiri Diallo de Koloban. C'est là où se trouve en tout cas le centre de commandement de cette cavalerie présidentielle avec des chevaux qui ne sortent que pour la circonstance ce jour comme celui-là. Ces chevaux, la cavalerie présidentielle et la fête de l'indépendance également. Gagnou kawé ñu ni fonk itam mu nek ay visite officielle yo xamné ni dañ koy mandal gal lool ndax li yépp danaka luy darajal suñum réew la boy darajal sam réew nak ba kilifa nga xamné won kilifa réew mi yëngu mba mu genn mba mu am itam gan go xamné itam dafa tollok mom dayo mu koy téru kon dañ koy gënal ne ko kat tay ji nak lepp luñ amone ci aptar lepp luñ amone ci yéré république bi dañ la koy gënal xamal nak dañ la koy lalal ndax li xam nga dañ koy yag di gis danaka bo xolé yeen kilifa yi mba sax ñu wayjuri buñu julli ji won ba ñew dañ leen di lalal ay sirri ding tradition xamal leen ne kat tay ji bisu fer la tay itam dañ leen wara sargal dañ leen wara jox warma ak gëdd bi nga xamne motam ki itam lolem lu république bi am ci lu rafet ci lu taru ci lu sel ci lu yel ci lo xamne itam da fay mandar gal taru rewum senegal dañ ko koy lalal ne ko nak kat li ya ko yeyo ba nga xamne itam non nak lo senegal moko beugé ni ñu défé ko ni comme on dit la république c'est pareil de ses plus beaux atours hein, avec le boulevard qui est décoré aux couleurs du Sénégal le drapeau national que vous voyez partout sur le boulevard de la république l'avenue Léopold Sédar Senghor le drapeau national tricolore vert jaune rouge la garde cavalière présidentielle la cavalerie présidentielle qui escorte jusqu'à présent le nouveau président de la République. Là, il est en train de dépasser. Voilà, absolument. Dañuy delo lepp xétu delu ñu ko suñu borom la rek ak xamal itam duñu may li kon nak li ñu may li dañ koy téek suñu fukki loxo ndax buñu ko téek suñu fukki loxo amana ba tam duñu rër duñu jeng duñu jélu ba li nga xamni mo tam rëc xali un très beau spectacle ce défilé des chevaux du ce détachement de la garde présidentielle l'escadron morte monté donc avec les chevaux c'est une parade extrêmement belle que vous voyez avec leur tenue rouge ces anciens spahis hein, c'est toute une histoire avant l'indépendance du Sénégal garde présidentielle la presse est venue nombreuse les populations de Dakar sont sorties massivement pour saluer le nouveau président et remercier le président sortant, son excellence Monsieur Macky Sall. De très belles images de la garde rouge présidentielle avec cette cavalerie que vous voyez à l'instant, cette parade présidentielle que vous voyez ici à l'avenue Léopold Sédar Senghor, boulevard de la République. Il y a une parade parce que c'est un moment de communion entre le président de la République et le peuple. Il est dans l'écrit. Voilà. Et ici. Le véhicule est déjà là et on laisse la cérémonie protocolaire. Présenté. Stop. On voit les coups de canon qui sont en train d'être tirés.